tout le monde, enfin heureux parce que moi je fais à la suite. Donc là l'objectif c'est de tuer de l'Athénien. Donc pour ce faire, enfin affaiblir les Athéniens. Donc pour ce faire, faut que je baisse. Il y a une petite quête là qui se balade, on va aller voir ce que c'est. Éventuellement, il me demandera peut-être de tuer de l'Athénien. Kéré, est-ce qu'il te faut de l'aide? Les soldats m'ont amené ici comme esclave quand ma cité est tombée. J'avais une gentille maison, un peu de terre. On m'a tout pris. La guerre n'épargne personne. Et donc? Le jour où on m'a capturé, mon frère s'est enfui. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Peut-être que les soldats... Alors tu attends de moi que je tue tous les soldats? Quelques malheureux soldats ne devraient pas être des proies. Si ce sont des Athéniens, ça me va. N'est-ce pas? D'accord, je vais le faire. Par Zeus, merci. Oui, j'abrège un peu les dialogues. Oui. Tuer des soldats Athéniens. Alto rouge. J'ai encore un jour pour le faire. Tuer des soldats Athéniens. Hop. Hop. Et boum. Clac. Chargez. Bon. Toi. Je peux t'offrir une meilleure vie. Je sais pas ce que tu veux, mon équipage. Mais on verra. Bon, on va aller dans ce fort. Ça va permettre de faire baisser la présence d'Athènes. C'est quoi ça, 5 ans spartiate ou... Oh, tu vas pas me montrer tout ce qu'il y a ici quand même, si. Ok. Donc j'ai déjà libéré les prisonniers ici. Ah, je suis peut-être venu tuer quelqu'un. Je m'en rappelle plus, je vous l'avouerai. Alors. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ok. On va aller voir tout ça. Ok. Et toi, on peut te... Oh, toi, t'es légendaire. Triton, ça vaut le coup de le garder, Triton. Et Triton, il fait quoi en légendaire ? Ah ouais, il a 3 attributs. Je pense que je vais essayer de le recruter, Triton. Faut juste que j'y arrive. Je dois rester caché pour éviter un combat. Il va vers où, lui?
il vient pas vers nous. On va vérifier une dernière fois qu'on n'oublie personne. Oh. Murios, Triton, il est où ? Triton, c'est celui qui est tout là-bas, tout seul. Lui, on va essayer de se faire. Voilà. Lui, il a quoi de spécial? Non, il m'intéresse pas trop. Voilà, on va se faire les sentinelles une par une. Pas contre qui il est en train de se battre là-bas. Hop. Garde. On va se faire tous tant qu'ils sont isolés. On va en profiter pour tout piller. Hop, voilà, discrètement. Alors là, c'est pas trop. Je parle pas beaucoup. J'essaie de me concentrer pour pas faire de bêtises. Ah bah, je crois qu'il y en a un qui a vu les gardes.
Hop. J'ai merdé. Il faut que j'aille me le faire tout de suite. Voilà, la prime est annulée. Voilà. C'est le grand capitaine là-bas qu'il faut pas que je tue. Les autres, je peux les tuer. On va laisser passer et on va backstab. Voilà, oui, je suis en train de baisser la puissance. On va laisser s'approcher gentiment. On va juste se recharger. Ça suffit pas. Viens par là. Et on va se mettre à l'abri derrière la tente. Hé, il est là ! Pourquoi prolonger tes souffrances ? Je cherche des marins. Allez. Je te paierai comme personne ne t'a jamais payé. Voilà, j'ai fait ce que je voulais faire. Sérieux ? Qu'est-ce que c'était ? Donc c'est un petit nettoyage de fort. Allez, on va y aller tout doucement, discretos. Je me trompe de touche, hein, vous avez remarqué, je confonds souvent la touche de protection et la touche. On va en profiter pour tout piller. Autant que l'opération soit rentable. Puis tout ce qui n'est pas dans les mains d'Athènes est dans les miennes. Bon, pour trois racks, non. Bon, on va aller piller, brûler tout ça. Purée, j'ai l'impression qu'ils se reproduisent, les gars, ils sont de plus en plus nombreux.
Tu vas mourir, Mustios. Hop. Bon. Le fort a été nettoyé. Alors, est-ce que c'est fait exprès pour pas qu'on s'éternise de trop dans les opérations de pillage? Ou est-ce qu'il y en a qui dormaient dans les tentes et que j'ai pas vu? Toujours est-il que je vais piller. Ça, c'est flamme! Ça suffit! Voilà. Où c'est qu'ils sont les autres trucs? Icaros. Ok. Ouais, il y a des trucs par là-bas. Ouais. Déjà, on va finir cette mission d'affaiblissement d'Athènes. Hop. Donc, vous voyez qu'avant de piller, enfin avant de voler des caisses, je les pille. Il en reste encore deux. On sait où tout se trouve. La nuit est tombée. Ah, nom de saleté de feu! Ah, oh, je brûle! Voilà. Trois drachmes. On se balade. L'air de rien, j'ai quand même pas mal d'argent. J'ai pas de soucis d'argent dans le jeu. Les d'armes. Non, il faut éteindre ça. Voilà. Et dague de tueur. Ok. Bon, c'est pas trop mal. Voilà. Ça sera bien passé. J'allais voir vite fait le camp où il y a les bêtes sauvages. Que je laisse pas passer un loot, on sait jamais, hein. Ça y a peut-être de l'épique là-dedans. Peut-être que je vais trouver ma. Hop! J'allais dire que je vais trouver ma prochaine armure. Ah, c'était eux qui se battaient ici tout à l'heure. On a vu qu'il y avait un combat dans le coin. Par contre, la question c'est comment les Athéniens, les Spartiates ont atterri ici, quoi. Exploit. Critique. Merde. Donc vous voyez, je fous une critique alors que... Ouais. Pourquoi j'ai réussi à les tuer? Parce que j'ai mis des critiques. Les critiques, donc c'est des dommages qui sont pas comptés dans les dégâts potentiels. C'est tout? C'est tout ce qu'il y avait? Ma foi. Bon, ils sont affaiblis. Ouais. Allez, on va repartir à cheval et puis on va se faire ça. T'es où mon cheval? Phobos. Donc c'est la deuxième prise de fort que vous me voyez faire.
Enfin, là, c'est la première prise de port. Je sais pas ce que j'étais venu y faire, ici. Mais bon, j'ai tué déjà pas mal de soldats athéniens. Faut juste que je redonne la région aux Spartiates. Je suis désolé, hein, ça retarde d'autant plus l'avancement de la quête principale, mais ça vous permet aussi de voir les subtilités du jeu. Donc vous voyez que si j'étais pas venu faire la bataille dans le camp d'Athènes, la cité serait toujours au moins de Sparte, et du coup j'aurais pas de problème à trouver des soldats spartiates. Non, des soldats, non, les navires spartiates. Ok, il part par là-bas le cheval. Zone d'éradication. Chut. Voilà, en plus il y a des ressources. Hop, 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 attaque, attaque, attaque. Voilà. Content que ce soit terminé. Il y a quoi à piller ici? Voilà. Ça va réduire les chances des Athéniens. Voilà, moins 30 en puissance nationale, ça leur fait mal quand même. Plastron athénien. Bon, c'est pas mal. Allez. Allez, venez mes biquets. Allez, monte, 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 monte. Voilà. Donc il va falloir que je me retape une guerre de conquête pour Sparte. Ralentis ! Le dirigeant non découvert. Non, non, on va arrêter les petites quêtes secondaires, là ça suffit. Moi ce que j'aimerais bien, c'est trouver du bateau spartiate. Ouais. Il m'applaudit, c'est bien. Tu les as tués? Je me suis occupé de ces problèmes, jusqu'au dernier. C'est peu, mais accepte ceci en... Ah non, je prendrai pas d'argent dans une journée comme les autres. Ah non, 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 non. Non, mais c'est con, on n'avait pas le choix de refuser, là. Donc c'est bien des petites quêtes comme ça, ça permet de rendre le monde vivant. Moi. Ah, il y a plein de petites missions, là, qui font faire des détours. Temple militarisé de Mégara. Ouais, je vais aller affaiblir là-haut. Ça, c'est fait, de toute façon. Où est-ce que je vois pas? Ah, bah, il est là, le dirigeant. Lui, on s'en moque. Nous, on s'en moque. Le dirigeant a l'air d'être pas trop mal. Pouf. Ils sont tous niveau 10. Ils sont affaiblis, mais bon. Je vais d'abord aller cramer ce qu'il y a là-haut. Mégaris,
La ville des cochons. Si vous permettez, hein. On sait jamais, on va voir comme ça, ça va permettre de se rendre compte si la garde a baissé ou pas. Ah mais ce sont des Spartiates. Mince. Je pensais pas. Pour la gloire. Je pensais pas c'était des Spartiates. Bon bah tant pis, c'est fait, c'est fait. Après tout, il n'y a pas d'honte à s'enrichir. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de témoins lorsque l'on vole, je vous le rappelle. Voler, c'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est de se faire prendre. On va en profiter pour regarder un petit peu le stuff. Ça me ferait de l'armure en plus. Mais ça, c'est pas très clinquant. J'en ai en veux-tu en voilà. Voilà. Ah mais c'est moche. Ah voilà, ça claque. Dégâts de chasseur, dégâts de guerrier et dégâts à la massue lourde. La massue lourde, je m'en sers pas. Mais chasseur, je m'en sers pas non plus. Ça c'est pas trop dégueu, mais bon. Ça c'est du plastron à la teigne, hein, je veux dire. Vous voyez, ça permet de récupérer pas mal de fer, du cuir. C'est marrant, ils sont tous les deux niveau 10. Ils sont quand même plus. Ils claquent quand même plus. Je vais en garder un. Ouais, c'est pas aussi moche qu'il n'y paraissait. Je vais garder celui-ci, ça j'ai le disloc. C'est pas exceptionnel. Niveau look, ça par contre j'aime pas du tout. Mais on va se garder les pics. C'est des pics, on se vendra ou je le mettrai dans le coffre, on verra. Aptitude, j'ai toujours qu'un point. Sachant que ça s'est amélioré, ça je peux pas. Et ça c'est quand je l'ai pris que j'ai perdu le truc du bouclier. Donc je vous avoue que je suis pas forcément très tenté de le faire. Niveau navire. Plus 2%. Alors ça me donne 4% de potentiel incendiaire, ouais. 2% d'intégrité. 6% dégâts javelot. Voilà. Et elle me donne quoi? 6% de reconstitution d'énergie, plus 8% création de points faibles par les flèches. Ça. À la place d'elle, on va prendre lui. Ah bah c'est bon, c'est fait. C'est fait. Je pourrais éventuellement l'améliorer encore plus et avoir un troisième lieutenant. Mais bon, on verra ça plus tard, ça coûte quand même des ressources. Là, qu'est-ce qu'on a de neuf? Ça. Ouais, je suis pas encore 14. Bâton de combat, ça pourrait être utile. Mais non. Javelot spartiate, lance primitive. Lance artisanale. Je me prépare à avoir une faux de griffe ou ma première arme légendaire en lance. Et vivement que je puisse avoir les deux. Oh. Oh. Oh yeah. Oh yeah. C'est quoi l'arc de serpent? Non, il n'a rien de spécial. Je me suis dit, on sait jamais s'il était empoisonné, mais non. Ok. Ok. Bon, bah, du coup, je sais que ça n'aura pas baissé la protection de machin, du
du gars, vu que c'est pas le, sa faction que j'ai attaqué. Bon, bah, on va se les faire, on va se les baisser, comme ça je pourrai me faire la bataille. C'est quel qu'il faut que je... C'est le dirigeant qu'il faut que je recrute ou pas? Ça peut être classe d'avoir recruté un dirigeant quand même. Le dirigeant s'est isolé de la ville. Ah, c'est pour ça qu'il est à l'extérieur, c'est parce que j'ai déjà affaibli suffisamment. Ouais, le dirigeant, ça peut voir le coup d'essayer de le recruter. Alors si je l'assomme directement. Voilà. Eh, hey, je voulais pas le tuer. Ah, mais il s'est pris un coup d'épée dans l'eau. Ça, c'est dommage par contre qu'il se prenne des coups d'épée dans l'eau. Bon, bah pour la peine, on va recruter les autres. Oublie cette ville et viens naviguer avec moi. Ah, 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 ah. Ah, je me suis planté. Tu as de la force. Bien. Rassemble tes affaires et retrouve-moi à mon navire. Voilà. Il fait quoi lui? Pourquoi il s'enfuit le mercenaire? Bon, on s'est assez embêté comme ça pour l'instant. En avant, Phobos. Allez, on va s'enfuir au travers de la ville. Voilà. Et c'est déjà pas très... pas trop mal, pas trop mal, pas trop mal. On va partir là-bas. Ouais, je vais se planquer là-bas. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se quitte là-dessus. Et puis je vous ferai un... Je vous passe l'épisode de la conquête. Où je vous fais un petit épisode spécial bataille. Allez, ciao ciao les amis, à très bientôt.